Alors, bonsoir à tous et salut à tous, c'est The Sword 54, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel comme d'habitude les petits potos. Ce soir on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui est pour ce week-end. Donc, je vais vous montrer la mort de Purple Guy. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Purple Guy, donc c'est... Donc, normalement, j'ai mis... Non, non. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis là. Donc, pour ceux qui savent pas, Purple Guy, c'est un policier violet qui est dans Five Nights at Freddy's 3. Donc, il meurt dans le jeu de Five Nights at Freddy's 3. Mais qui se fait, dirait, à peine porter le costume de Wizard Springbonnie. Donc, il fait à peine compresser. En costume, un extrait de Springlock. Alors voilà ce qui se passe. Hein. Donc voilà, vous voyez comment on meurt pour le gueule. Donc, c'est à cause de Springlock, c'est ça ce qui le fait mourir. Vous voyez du sang qui sort du costume. Donc, vous voyez qu'il y a déjà les pièces Springtrap qui est tuées après. Vous voyez, c'est la mort la plus horrible dans les costumes. C'est vraiment l'une des morts les plus horribles. Vu que... Donc là, normalement, si... Est-ce qu'ils mettent le 30 ans plus tard? 30 ans plus tard, il deviendra Springtrap. Qu'est-ce qu'il me fait encore? Nous, c'est ce qui nous intéresse, la mort de Purple Guy. Non, il n'y a pas les 30 ans. Alors, re tout le monde. Excusez-moi. Donc, voici une mort dans Roblox. Qui est extrêmement buggé. Alors, pas trop, des masses. Alors, dans Roblox, c'est pas très intéressant. Donc, je vous montre cette vidéo-là. Donc, si vous connaissez genre ce jeu... Ce genre de vidéo, voilà, avec c'est l'esprit de l'autre qui se déclenche, c'est pour ça que voilà. Alors voilà comment on meurt de coutume. Comment? Donc ça c'est une autre mort. Donc qui est vraiment l'une des morts les plus horribles. Car voilà, avec le véritable costume de Wizard Springbonnie, regardez, ressemble à ça. Je préfère cette version de Wizard Springbonnie, elle est mieux. Normalement, si je ne me trompe pas, il doit avoir les 30 ans quelque part. C'est-à-dire, voilà, celle-là, je l'ai vue. Donc, vous voyez, que Purple Guy a une hache à la main. Il a détruit les animatronics de FNAF 1, donc Bonnie qui est une autre version, qui ne devait pas être dans cette version. Donc, voici le costume de Spring Bonnie. Donc, alors, les Springlocks se sont activés parce que le costume, il était très vieux. Voilà. Donc, vous voyez, tac, les Springlocks s'activent. Se désactivent, pardon, je crois que c'est ça. Ils se désactivent. Et parfois que le Purple Guy se fait directement compresser, les âmes disparaissent. Donc, voilà, il s'endort. Et voilà ce qu'il est devenu 30 ans plus tard. Alors... Donc c'est Springtrap, voilà, c'est une autre version, j'aime bien cette version-là aussi. Donc vous voyez que des employés recherchent un animatronics pour Fazbear Fright, et ben ils en ont trouvé un, c'est lui, donc c'est Springtrap qui... Donc vous voyez, je vous ai dit, le corps il pourrit pendant 30 ans dans sa costume. Donc cet extrait-là, c'est un autre extrait, mais d'une autre version de Springbonnie.
Oui, il perd aussi des organes du corps, hein. Il perd pas que la peau, hein. Il peut perdre aussi les organes du cœur, comme les poumons, tout ça. Oui, dites-moi en commentaire si ça vous fait peur ou pas. Moi, ça me fait pas peur. C'est pas que le gars est mort dans des souffrances comme ça. Alors, cette version-là, je l'ai jamais vue. Ah, ça c'est une des nouvelles versions. Donc c'est... Bon, par contre... Là, je crois... Normalement, il doit y avoir quelque chose. Donc en version Minecraft, hein. Pocket Edition. Ça, c'est les âmes des enfants morts. Donc voilà, il s'est mis dans Spring Bonnie. Alors, cette version-là, je l'aime bien aussi. Vous voyez, genre, les âmes des enfants morts avec Mangle, ça c'est... Voilà, les Spring Locks qui se déclenchent. Vous voyez, Pop Gueule est à l'intérieur. Alors, normalement, sur cette version, il y a une oreille qui s'est enlevée automatiquement. Donc, normalement, dans Wizard Spring Bonnie, sa vraie version... Genre, à ce qu'il paraît, l'oreille d'Endo Skeleton s'est déglinguée et les pieds, comme ça, oui, le pied de costume s'est aussi déglingué, donc c'est pour ça qu'il a les pieds en métal. Alors, ça, c'est Baby qui parle. Donc, oui, peut-être qu'il a dû sûrement ouvrir les yeux. Alors, voilà ce qu'il est devenu 30 ans, c'est Springtrap. Donc, c'est Mike, c'est pas William Afton, c'est Purple Guy. Ça, c'est la voix de Scraptrap. Alors voilà ce qu'est devenu Michael, hein. Le pauvre, hein. Alors dites-moi si ça c'est. Ça vous fait peur? Moi, ça me fait pas peur. Vous voyez, dès qu'il ouvre. Dès que Scraptrap ouvre le masque, ben. Il peut faire peur aux gens, aux voyeurs. Voilà, comme vous le voyez. Donc il y a plein de choses avec Purple Guy qui peut faire, hein. Alors, on va regarder celle-là. Ah, celle-là, c'est une animation réaliste. Les amis des enfants morts. Alors, normalement, je crois qu'il y a une version qui... Genre, il loue... Je sais pas quoi. Alors, en version Minecraft, une autre version Minecraft... Donc la mauvaise version c'est qu'il y a Springtrap. Vous voyez l'âme d'enfant mort qui veut le hanter. Qui veut hanter William Michael. C'est pas William Afton, c'est le père de. Attends, on n'y était pas là. Alors voilà, il rigole. Et au bout d'un moment, les Springlocks se déclenchent. Vous voyez, normalement il y a des trucs qui se projettent du costume. Après, c'est parti pour 30 ans de pourrition de corps. Hein. Par contre, le son, il est juste pas possible. Vous voyez que le... Ah, celle-là, elle est aussi un petit peu réaliste. Alors, je vous laisse regarder le costume par question. Je vous laisse regarder. Pour ma part, j'aime bien la version Spring Bonnie, donc vous voyez qu'on le costume ne bouge pas, on lui a enlevé l'endoskeleton. Alors regardez bien l'oreille de gauche, vous voyez qu'il n'a pas d'oreille de costume, il a l'oreille d'endoskeleton. Et les pieds, donc vous voyez qu'il y a les pieds métalliques et les pieds de costume qui est juste derrière le pied de... En métal, et donc normalement, ça a dû se projeter du costume avec l'oreille d'endoskeleton qui s'est barré aussi. Il y avait genre
un fil de son cerveau, du cerveau de Michael, qui a dû sûrement passer par l'oreille d'Endoskeleton pour arriver jusque-là. C'est pour ça que peut-être Springtrap a sûrement un fil rouge sur l'oreille de gauche. Alors, voyez, Papageil installé dans le costume. Alors, c'est. Alors, sûrement quand. Bon, par contre, cette mort, elle est bien aussi. Donc, vous voyez, genre, il y a le sang qui se propage. C'est très réaliste, il y a la peau qui est en train de se déchirer à cause des springlocks. Et là, il meurt. Alors voilà les animations. Donc pour ce temps. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et surtout activer la cloche de notification pour savoir plus pour savoir quand je sors un commentaire ou une vidéo. Alors, c'était TheSport54. Allez, bye tout le monde pour la vidéo de dimanche. Avec 2 abonnés. Ciao ciao!